Alors, professeur Tarek Zahir, aujourd'hui, vous avez participé à la soutenance d'une thèse de doctorat qui traite d'un sujet très sensible qui nécessite de mener une réflexion plus approfondie concernant les bidonvilles partout au Maroc. Le sujet de cette recherche académique se focalise sur le cas de recasement des bidonvilles dans la province de Moulay Yacoub, à Mouadir. Oui, effectivement, c'était l'occasion aujourd'hui de voir et de mettre au public les conclusions d'un travail de recherche qui porte sur la question urbaine de manière générale au Maroc, liée à la question des politiques publiques. Il s'agit en fait d'une thématique qui présente de l'importance, vu en fait qui concerne un sujet d'actualité mis en avant de manière particulière dans les politiques de l'État, analysé pour le cas en l'occurrence de ce travail de recherche en corrélation avec la question des politiques publiques, d'ailleurs dans leur globalité en termes de conception des politiques publiques, d'analyse des politiques publiques et d'évaluation des politiques publiques. Bon, la complexité de la question en fait un sujet en fait pertinent d'actualité. Pour deux considérations au moins, puisqu'en fait le sujet met en avant l'existence de plusieurs acteurs d'ailleurs et cette complexité des intervenants en la matière, et en deuxième lieu parce qu'il est difficile de répondre à la problématique à travers en fait des actes isolés et que cela nécessite en fin de compte qu'il y ait une certaine coordination entre l'ensemble des intervenants, notamment de la part de ceux qui sont censés représenter l'État de manière générale, les agents de l'autorité en fin de compte. Et à ce niveau, le travail de recherche qui a été présenté aujourd'hui, ce travail de thèse qui a été soutenu aujourd'hui, présente de l'importance, tant que l'objet en fait de ce travail était de mettre en avant l'importance de cette question cardinale de la coordination des actions menées au niveau territorial, analysée à l'épreuve notamment des actions engagées par l'État depuis quelque temps, tenant en compte la nouvelle organisation de l'État, notamment du point de vue de la régionalisation avancée, la question de la réforme de l'État, les rapports avec les citoyens, notamment la question de la simplification des procédures dans la relation qui existe entre administration et administrés. Voilà globalement les grands traits comme les principaux déterminants qui ont fait en fin de compte que ce travail et les conclusions qui ont été apportées présentent de l'importance aujourd'hui, un moment crucial dans lequel la question de redresser les politiques de l'État en matière d'habitat de manière générale est d'actualité et que les actions des pouvoirs publics sont engagées dans ce sens de manière générale. Alors, professeur Zahiri, la thèse de doctorat à laquelle nous avons assisté aujourd'hui a été réalisée par une personne qui est à la fois étudiant-chercheur et un agent d'autorité. Ma question est la suivante. Pensez-vous que cette double casquette pourrait-elle nuire à la pertinence et à la qualité de la recherche scientifique? Je ne pense pas, jamais ça n'a été conçu de telle manière. Tant que l'université était dans la... D'ailleurs, c'est historique dans l'histoire du Maroc. L'université était dans la capacité, en fin de compte, d'accueillir l'ensemble des chercheurs qui peuvent être d'ailleurs d'horizons différents, sans que cela ne puisse gêner, en fin de compte, cet objectif fondamental recherché par l'université lié plutôt à l'axe recherche. D'ailleurs, je dirais plus que c'est une question plutôt de pertinence de l'action menée dans les labos de recherche dans les universités, puisque le fait d'accueillir un certain nombre de chercheurs, d'ailleurs d'horizons différents, avec des expériences professionnelles différentes, avec des vécus qui sont différents, avec un certain nombre d'obsessions en termes d'ailleurs d'analyse qui sont différentes, fait en sorte que le travail de recherche et les structures de recherche qui abritent ce genre de travaux permettent en fait d'avoir les conditions qui sont optimales pour des travaux crédibles d'ailleurs et rationnels. Je pense qu'il y a une deuxième dimension plus importante et qui fait que pour le cas, en l'occurrence qu'on est en train de discuter, le fait d'avoir un agent de l'autorité dans l'appréciation d'un certain nombre de politiques de l'État et des rôles de l'agent d'autorité est jugé, à mon avis, comme accordant plus de pertinence en fait à la problématique tant qu'on est avec ou la question est abordée par un certain nombre d'hommes de terrain qui sont confrontés chaque jour à cette épineuse question, notamment liée à la question de l'habitat. Et au contraire, je pense que l'université a cette grande capacité d'accueillir dans ses rangs notamment les chercheurs d'horizons différents, avec un seul objectif notamment, c'est de faire avancer la recherche dans des champs particuliers. Cela ne affecte en rien, notamment la mission fondamentale de l'université, de manière générale.